Un célèbre couple formé dans la 16e saison de L'Amour est dans le Pré sur M6, partage un étrange message sur les réseaux sociaux, semant le doute sur leur séparation. L'annonce d'une rupture, c'était l'un des couples phares de la 16e saison de L'Amour est dans le Pré. Grâce au programme présenté par Karine Le Marchand et diffusé en fin d'année 2021 sur M6, Sébastien avait eu la chance de rencontrer Karine. La célibataire venue de Paris avait tapé dans l'œil de l'agriculteur auvergnat. Rapidement, les deux tourtereaux avaient entamé une belle histoire d'amour. Mais il se pourrait que la romance soit terminée. Si est-il en tout cas ce que tend à laisser penser un énigmatique message publié sur le compte Instagram du couple, ce dimanche 23 avril 2023. Être célibataire n'est-ce pas une souffrance? Sébastien et Karine ont effectivement partagé une photo comportant ces quelques lignes. Être célibataire n'est-ce pas une souffrance? La vraie souffrance, si est-il d'être en couple avec la mauvaise personne. Un texte que l'agriculteur et sa compagne n'ont pas commenté davantage. Mais leurs nombreux abonnés sur les réseaux sociaux n'ont pas eu besoin de plus de précisions pour interpréter cela comme l'annonce de leur rupture. Une nouvelle que beaucoup disent avoir anticipée, évoquant un changement de vie trop radical pour la femme d'une cinquantaine d'années. Karine avait rapidement emménagé chez Sébastien. Depuis leur rencontre grâce à l'émission de dating de M6, Karine et Sébastien semblaient pourtant vivre le parfait amour. Début 2022, la prétendante avait assuré avoir facilement trouvé un travail en Auvergne et s'apprêtait à emménager avec son chéri. Je n'ai pas d'appréhension quant à ce changement de vie, note de la rédaction, nous avait confié Karine fin novembre. Je descends déjà tous les 15 jours voir Sébastien, je connais son environnement, sa famille, ses amis, ce n'est qu'à 2h45 de train de Paris, et j'y reviendrai d'ailleurs une fois par mois pour voir ma mère, avait-elle déclaré, dévoilant quelques jours plus tard, le jour J est arrivé. Dans le TGV pour rejoindre mon chéri, avait indiqué la pétillante brune sur une photo d'elle postée sur Instagram. Views is post ton Instagram à post shared by univers influence arrobase Sébastien Karine tiré base IDP 16, à lire aussi Sébastien et Karine, L'amour est dans le pré-saison 16, toujours en couple, les amoureux dévoilent un cliché de leur nouvelle vie à deux.